Subventions aux associations. Voilà, le montant total des subventions, c'est 285 850 euros des associations qui nous ont fait une demande de subvention. Donc, vous avez la liste. Je vais, M. Michel va nous la présenter. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, comme vous venez de le dire, le montant global s'élève à 285 850 euros. Vous avez le descriptif, l'association d'Ascompris 500 euros, l'amicale des anciens élèves du lycée 250 euros, l'amicale des Salettes 1000 euros, les amis de Saint-Féor et du Vieux-Lorque 2000 euros, les archéologues 1200 euros, l'association sportive du collège 250 euros, l'automotoclub du Ternay 500 euros, la boule de la mort 3500 euros, le canal de Sainte-Croix 1000 euros, le canton des anciens 1000 euros, les chasseurs lorquais 2000 euros, la comme sur des roulettes 1000 euros, danser pour danser 1000 euros, les donneurs de sang bénévoles 1000 euros, l'ensemble choral de l'orgue 2000 euros, l'escolo de Margarito 1500 euros, le basket 75 000 euros, le football 55 000 euros, la gym ESL 750 euros, la FNACA 750 euros, la godasse l'orchestre 1000 euros, le groupe mycologique et botanique 500 euros, l'harmonie orchestre 1250 euros, le jeudi club 1000 euros, le judo club 3500 euros, la connerie bleue 1000 euros, le Pichoun 500 euros, le Léo Lagrange 10 000 euros, l'organisation vidéo 1500 euros, l'orgue cyclone 3 000 euros, l'orgue en tête 90 000 euros, mobilo 1000 euros, l'Olympique Tarabolorte 4 000 euros, l'Opidum Pipe VTT 1200 euros, le Poisson d'Argent 200 euros, le Poney Club 500 euros, Riolet 1500 euros, le Secours Catholique 4 000 euros, SOS Chat 1500 euros, le Souvenir Français 1500 euros, le Tennis Club 4500 euros, l'UPAC et l'UMC 750 euros. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des commentaires sur les demandes qui nous sont proposées? Qu'est-ce qu'ils font avec les 3500 et 3000 euros? Ils font de l'animation. Pour c'est le boule. Ils font de l'animation boule. Donc, ils animent des compétitions de boule. Et alors, poser une question ici à peut-être en province, hein, de ce qu'on fait à la pétanque. Non, mais pour 3000 euros, je peux faire 3000 euros comme les autres. Et... Bon, alors, M. Rudel, qui ne participera pas au vote, parce que. Il est vice-président de la Cour de l'emploi. Bonsoir, Mme Carré. Je vais vous répondre, Mme Carré. Je vous ai invité au cours de ce concours de boule à émerger rapidement. Ça, vous ne me dites pas. Par contre, l'argent que vous avez versé est entièrement remis en jeu pour les joueurs de boule, de l'Orbe et d'ailleurs. Donc c'est l'organisation de jeux de boule, hein, toutes les villes, villages, c'est une animation qui part dans l'hiver maintenant. Dans tous les villages. Et pas que les adultes, et aussi les enfants qui pratiquent le jeu de boule. Comment je peux vous dire qu'on a plus de l'arrivée là-bas? Mme Carré, c'est la députée, je n'ai jamais fait ça. C'est ça qui me paraît. Je n'avais pas réalisé du tout que j'étais achetée. Merci de m'avoir. Je n'avais pas pris gratuitement. Et ailleurs, vous êtes invité comment? C'est de l'animation, c'est un sport. Donc il y a des licences qui sont prises par les gouvernements, et puis 3500 qui vont avoir un budget, je pense que vous avez 10 ou 12 euros. Vous êtes invité au repas du troisième âge, qui c'est qui va être? Mais on n'a pas de Oui, il y a le jeudi club, il y a le canot. Si vous voulez voter jusqu'à notre futur, vous demandez des subventions, c'est le conseil municipal des villes, on peut pouvoir louer des subventions.
Le carré, si ça ne vous convient pas, vous votez pas, je pense. Mais oui, ce sont les contributions municipales. Qui... Mais la, les associations, c'est l'âme de la ville, c'est eux qui animent la ville. Donc, maintenant, vous n'êtes pas obligé de voter. Moi, je vous le soumets à vos votes. Si vous ne voulez pas voter, vous ne votez pas. Non, mais ils créent de l'animation. Quand il y a des concours de cours qui sont animés, c'est des nouveaux spectateurs qui viennent en ville. Je suis pas contre le principe de la subvention, c'est le chiffre. Et... Madame Carré, comment l'association peut tourner avec zéro? Premier, c'est 100 euros, ils font 4 concours et dans l'année, ils en vont faire une cinquantaine. Madame Carré, on leur fait une dizaine de boulistes pour la scène ferréole, l'année. Et vous croyez que les joueurs de boules, ils viennent pour un paquet de bonbons? Allez, alors vous avez répondu, Madame Carré. Si vous êtes le nom, on tire un pilon. C'est votre droit. Bon, c'est quand même le cinquième budget, il faut vous voter. Cinquième pour les associations, on est pour l'un toujours qui représente. Moi, monsieur Rudel, vous m'avez même invité au repas, tiens. Monsieur Vito, vous mangez pour cette bienvenue. Mais moi, quand je vais manger, je paye aussi. Je n'ai pas comme des cadeaux. Quand je vais au basket, quand je vais à l'animation, je paye. Sachant, comme dit Mme Carré, qu'avec. Bon, allez, s'il vous plaît, allez, c'est bon, allez. En effet, ça me dérange. Alors, qui veut intervenir sur les propositions de subvention? Alors, plus personne ne veut intervenir? Moi, au jeu de coups, j'ai donné des subventions. C'est bien, merci, monsieur Pitot. Voilà. Donnez encore, les parents. Non, mais on vous remercie, monsieur Pitot. Donc, ça n'a pas été. Mais attendez, t'as pas été... on ne mélange pas la politique. Allez, monsieur Joubert, s'il vous plaît. On fait quoi là? Allez, on met au bois. Qui n'est pas de la politique ici? Alors, M. Michel ne participe pas au vote, M. Rudel non plus, puisqu'ils sont intéressés par bien que c'est par prudence, oui, maintenant il y a une jurisprudence qui dit que les animateurs peuvent voter. Une jurisprudence qui sortira dans le temps. Mais bon, allez, par prudence, ils ne participent pas au vote, parce que si jamais M. Fissou veut le faire tout à l'heure au cours, si jamais. Non, mais les taxes, on peut faire. Elle ne peut pas voter. Bon, elle s'abstient, le vote. Et elle ne doit pas prendre part au vote, puisque elle est présidente. Elle s'abstient pour. Voilà, donc il faut le dire très fort. Madame Rémy s'abstient parce qu'elle est contre la subvention qui est allouée à l'amicale des salaires. Et moi, j'aurais préféré qu'elle ne prenne pas part au vote. Très bien, pour Mme Bélie, à côté, en tant que présidente, elle ne doit pas prendre part. Elle n'est pas présidente. Si elle n'est pas présidente, elle peut prendre part. Voilà, il faut lui clarifier. Elle est le président, je vais te le dire, il y a une jurisprudence qui est sortie. Elle a jugé utile de vouloir s'abstenir. Voilà. Ouais, c'est pareil. Elle peut le faire. Non, mais de toute façon, si elle s'abstient, elle ne va pas inquiéter l'éducateur. Sauf si on votait chaque. Bon, alors je vous.